Donc, rebonjour tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de consultation publique du conseil municipal de Saint-Colombat. Encore une fois, Christiane Wilson, reste suppléante. Je prends donc la place de Monsieur Xavier-Antoine Lalande qui est euh, occupé. Euh, donc, 1.1, euh, ouverture de l'assemblée. c'est vient d'être fait. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais adopter moi-même l'ordre du jour. Et 1.3, présentation du projet de règlement. Je suis donc accompagné de Dominique Lirette, directeur environnement et urbanisme, et Guillaume Marasco, chargé de projet à la réglementation et au plan d'urbanisme, qui, qui vont vous présenter le règlement 3001-2023-24, qui modifie le règlement de zonage 2001 tel qu'amendé. Voilà. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. Oui, euh, bonjour tout le monde. Donc, euh, je vais premièrement ressortir les, euh, les points les plus importants du, du projet d'amendement euh, à diapositive numéro 6. Donc, euh, ce, qui, ce qui ressort, ce qui est important au niveau du, de ce projet de règlement-là, c'est qu'il compte 44 articles. Euh, donc, la présentation qu'on va faire ce soir, ça va être un résumé justement de ce projet-là. Donc, on ne va pas tout faire les 44 articles, évidemment. Donc, on a, on a sorti en fait une dizaine d'articles qui sont les plus importants à notre sens, là, donc qui vous seront expliqués. Et puis, dans le fond, le but de cet amendement-là, ce qu'on voulait faire, c'est de simplifier la consultation euh, des articles concernés, là, euh, autant pour les citoyens que les professionnels comme technologues, architectes, arpenteurs. Que pour notre personnel, que notre service, nos inspecteurs au service d'urbanisme. Donc, ça, c'est un peu les points importants. Donc, si on va à la diapositive 7, un, le premier article, c'est l'article numéro 4, ça concerne les alignements euh, d'un bâtiment principal. Donc, ce qu'on a voulu faire encore là, c'est simplifier puis de condenser là, euh, le règlement là, qui faisait pratiquement deux pages et qui avait deux articles. Donc, ce qu'on vient faire, c'est que. Lorsqu'un bâtiment principal a été érigé sur un terrain de moins de 4000 m2, puis qui est situé entre deux terrains qui sont construits, là, qui ont déjà des maisons de chaque côté, bien on applique cet article-là. Donc, dans le fond, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient euh, calculer deux moyennes pour pouvoir implanter le, le bâtiment futur. Donc, la moyenne euh, de la marge avant du bâtiment le plus près et euh, la moyenne euh, de la marge avant du bâtiment le plus éloigné. Donc, on fait un calcul. Euh, comme qui est écrit là et comme c'est démontré sur le croquis. Et à ce moment-là, on vient euh, délimiter une nouvelle zone d'implantation pour le bâtiment. Là. Donc, euh, euh, dans le fond, c'est vraiment le calcul euh, et, et pour simplifier, pour identifier la marge euh, avant pour un, un bâtiment futur. Euh. Voilà. Si on passe à l'autre diapositive, donc c'est les articles 23 et 24, euh, pardon, l'article 11. <laughs> Donc, c'est le nombre autorisé euh, par rapport aux abris d'auto permanents. Donc, présentement, c'était seulement un abri d'auto qui était autorisé. Et puis, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une, une réalité là, sur le terrain, comme on dit. Donc, ce qu'on vient faire, c'est modifier euh, le nombre autorisé d'abris d'auto. On, on a catégorisé, dans le fond, deux, deux terrains, si on veut, ou deux situations. Donc, dans, dans le premier cas, c'est les terrains non desservis. Euh, qui font peu importe leur superficie, puis les terrains qui sont desservis ou partiellement desservis, donc où est-ce que l'aqueduc finalement, mais qui font plus que 4000 m. Mais de, dans ce cas-là, à ce moment-là, il va pouvoir avoir deux abris d'auto hein, maximum. Donc, un qui devrait être fixé euh, à la maison, ou, ben, au bâtiment principal ou au garage isolé, et à un qui pourrait être isolé du, du bâtiment principal. <coughs> Puis l'autre catégorie, c'est dans le cas d'un terrain de moins de 4000 m2 là, qui est partiellement desservi ou, ou desservi. Donc, euh, à ce moment-là, ça va être seulement un abri d'auto qui va être autorisé, là, soit un abri d'auto attenant euh, au bâtiment principal ou au garage isolé ou à un abri d'auto isolé du bâtiment principal. Donc, ça, c'est le résumé pour cet article-là. Donc, l'article 16 à la prochaine diapositive. Donc, ça concerne les piscines, en fait, surtout la sécurité des piscines. Donc, euh, en fait, on vient on vient un peu s'arrimer aux normes provinciales. Là. Il y a eu des, des normes provinciales là, sur la sécurité des piscines euh, qui ont été modifiées récemment. Donc, on, a, on modifie notre règlement de zonage à ce moment-là là, pour que ça puisse euh, correspondre aux provinciales. Donc, euh, en fait, en résumé, là, ce que ça vient de dire, c'est que euh, les piscines euh, suivantes euh, doivent être entourées d'une enceinte euh, de manière à en protéger l'accès. Donc, une enceinte, c'est une clôture, si on veut. Donc, les piscines creusées, semi-creusées, et puis les piscines hors terre dont la hauteur de, par de la paroi est de moins de 1,2 m de haut. Et puis, les piscines démontables, là, euh, gonflables et autres, dont la hauteur de la paroi est de moins de 1,4 m. Donc, dans ces cas-là, ça prend absolument une enceinte. Et puis l'autre la, ajout aussi, c'est au niveau qu'un mur d'un bâtiment là, peut, être, peut, être, peut servir à, à être une enceinte, une partie de l'enceinte. Donc, ça peut être un mur de maison, d'un cabanon, d'un garage. Euh, la condition, par contre, c'est que s'il ne doit pas avoir d'ouverture, s'il y en a une, ben, la fenêtre doit être au moins à 3 mètres de haut. Et puis euh, elle ne peut pas permettre de s'ouvrir euh, permettant le passage d'un objet sphérique de plus de 10 cm de, de diamètre. Donc, c'est les conditions là, si on utilise un mur comme une partie d'enceinte. Et puis, euh, finalement, les piscines suivantes n'ont pas besoin d'enceinte. Euh, les piscines qui, sont, qui font 1,2 mètre de haut et plus, les piscines hors terre, finalement. Et puis, une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 mètre ou plus. Donc, voilà pour cet article-là. Les articles 22 et 23. Donc, ça concerne euh, les abris de tempo, les abris te temporaires qu'on appelle. Maintenant, ça va s'appeler ab un abri hivernal. Donc, dans le fond, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment associer ce, ce genre d'abri-là à l'hiver. Et euh, donc, temporaire, ça aurait pu être n'importe quelle saison, mais on vient clarifier que c'est vraiment pour l'hiver. Puis surtout, c'est seulement pour entreposer des voitures. Donc, ça peut pas servir à entreposer de d'autres objets ou des matériaux, des débris, c'est vraiment euh, fait pour abriter ou, euh, des véhicules automobiles, un ou des véhicules automobiles. Donc, je vais l'article, c'est l'article 234, donc il, il, il va comme suit. Un abri d'auto hivernal ne doit servir qu'à des fins de stationnement de véhicules automobiles au cours de la période autorisée. Donc, la période autorisée, c'est du 15 octobre au 1er mai. Ça, c'est pas modifié, ça reste toujours cette période là. Et petit euh, aparté et ne doit pas servir à des fins d'entreposage, comme je l'ai spécifié auparavant. Là. Donc, euh, deux autres points intéressants, c'est que ça concerne toutes les, euh, les usages. C'est pas seulement habitation, c'est commerce, industriel, agricole et public. Puis l'autre point qu'on a fait aussi, on a modifié les superficies euh, en fait et la hauteur pour les abris hivernaux. Euh, pour un usage résidentiel seulement. Donc, on permet une, une plus haute, une plus grande hauteur et une plus grande superficie. Là. Euh, on trouvait que c'était peut-être un peu. c'était pas réaliste ce qu'il y avait présentement dans le règlement. Là. Parfait. On va aller à la diapositive suivante pour les articles 28 et 29. Ça concerne euh, quelques amendements pour un projet intégré d'habitation. Donc, euh, c'est pas tous les projets domiciliaires, c'est vraiment dans un cas d'un projet intégré. Un projet intégré, là. Un projet intégré pour, pour vous faire un résumé, c'est euh, un ensemble bâti homogène implanté dans un milieu indépendant, partageant des espaces et des services en commun, et euh, construit suivant un plan d'aménagement détaillé. Là. Donc, un projet intégré comprend généralement plusieurs bâtiments implantés sur un même terrain. Et est constitué d'un ensemble de propriétés dont l'architecture est, est uniforme. Donc, c'est ça un projet intégré. Là. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est deux choses principales. Là. La première, c'est d'autoriser un maximum là, de, de déboisement, là, incluant la, la bande de roulement là, pour les allées d'accès pour les véhicules. C'est porté à 7,5 mètres. Donc, on ne pourra pas euh, avoir euh, plus que, que cette dimension-là. Là, pour la bande de roulement, et le déboisement de, de chaque côté. L'autre chose, c'est que maintenant, on va exiger qu'au niveau du réseau électrique, mais que l'alimentation électrique du projet intégré soit souterraine. Donc voilà, c'est les deux euh, deux choses euh, principales qui ont été modifiées. Finalement, le dernier article euh, qu que je vais vous parler ce soir, c'est l'article 43. Ça concerne euh, des constructions dérogatoires. Dans un cas où les gens veulent agrandir, donc, le titre exact, c'est l'article 1209, « Disposition relative à la rénovation et à l'agrandissement d'une construction dont l'implantation est dérogatoire. » Donc, principalement, ce qu'on a voulu faire, c'est, ça concerne l'agrandissement, si on veut, à l'horizontale. Donc, euh, euh, je, vais, je vais lire le dernier paragraphe, là. Il va comme suit. Donc, l'agrandissement horizontal d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis est autorisé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Qu donc, un mur existant qui empiète dans une marge peut être prolongé de façon à ce que l'empiètement dans la marge de la partie prolongée du mur soit égal ou inférieur à celui du mur existant. Donc, pour essayer de résumer la chose, c'est qu'on va permettre aux gens d'agrandir tant qu'ils ne dérogent pas davantage à ce qui est, ce qui est dérogatoire. Là. Évidemment, faut il faut que la, la maison soit en droit acquis là, pour qu'on puisse faire ça. Donc, c'est le tour euh, du projet de règlement. Donc, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si, M. Liret vous aviez quelque chose à rajouter. Ah, c'est à moi. Excusez. Euh, donc 1.4 période d'intervention euh, du public. Est-ce qu'il y a des questions Non, pas de questions. Merci. Donc 1.5 clôture de l'assemblée. J'imagine qu'il faut que je le propose. Euh, donc c'est ce qui me fait merci M. Marasco, merci M. Lirette. Bienvenue. Et euh, à la semaine prochaine.